Influenceur, c'est le nouveau en fait concept que j'amène. Je vais vous montrer la réalité dans la vie des influenceurs. En fait, ce que les influenceurs vous laissent croire, ce qu'ils vous font croire, ce qu'ils vous laissent imaginer. C'est vrai, quand on donne l'appellation influenceur, il faut savoir vous influencer la vie de qui, ou bien vous êtes influencé par qui. Aujourd'hui, nous avons ce phénomène qui monte, qui ne fait que monter, les influenceurs, des gens qui s'élèvent sur la toile sans talent, sans ambition, sans projection, sans, comment je veux dire ça, souci même de chercher à bien faire ou de comprendre quelque chose, faire là, mais vient de se dire influenceur tout simplement parce qu'ils veulent montrer une vie qui n'est pas la leur, pour amener d'autres jeunes à faire des choses qui ne sont pas conforme à celui, à un jeune qui veut arriver à faire quelque chose de bien ou bien de plausible ou réussir dans sa vie normalement par la droiture. C'est pas pour dire qu'un influenceur aujourd'hui, c'est un jeune qui a réussi dans la bonne direction. Il y a des influenceurs. Moi, en fait, le mot influenceur n'existe pas. En fait, le métier d'influenceur n'existe pas. C'est quoi donc? On parle d'influence. Par exemple, Michael Jackson, c'est un influenceur. Pourquoi? C'est un artiste qui a eu de la renommée avec ce qu'il a fait. Il a prouvé par ce qu'il a fait qu'il pouvait influencer et impacter la vie des gens. Donc, quand tu décides d'être influenceur, il faut être sûr que tu peux impacter la vie des gens positivement. Donc, si toi, négativement, tu viens montrer aux jeunes que tu influences leur vie en les vendant un rêve que toi-même tu n'arrives pas à réaliser. Cela signifie en fait que tu vas amener les jeunes à se faire compromettre ou bien à se compromettre pour des choses qu'ils ne peuvent pas avoir, qu'ils peuvent avoir naturellement. Mais tu veux les amener à se mentir que cela en fait est irréalisable et il faut se servir en fait du mensonge pour arriver à ses fins. Donc aujourd'hui, moi, je passe par ce programme pour montrer à la jeunesse que véritablement c'est quoi l'influence. Donc suivez-moi, vous allez comprendre. Là, nous sommes quelque part au Cameroun. Venez. Quelque part. Dans la roue. Venez. L'influenceur a beaucoup d'amis. Ça, vous le savez. Donc, quand vous êtes influenceur, simplement parce que vous avez une multitude d'abonnés, dont les abonnés, les gens qui vous suivent, il y a des gens véritablement qui sont bien positionnés, qui se décident à vous suivre, à s'investir dans ce que vous faites, et surtout si vous avez le talent. Et ces gens-là peuvent prendre sur eux de vous faire passer peut-être un séjour agréable quelque part. Regardez. Qui n'a jamais pris l'avion, n'est-ce pas? Il va prendre le bus, il va faire son voyage en bus, il va arriver à Douala ou bien à Kribi. Arriver à Kribi, il va descendre à l'aéroport. Il n'a pas pris l'avion, il n'a jamais pris l'avion. Et quand il va prendre l'avion, je viens. Quand il va arriver à l'aéroport, il va même prêter la valise de quelqu'un en tirant la valise. Ouais, je suis bien arrivé au Cameroun, je suis bien arrivé. Salut, voici le Cameroun. Pourtant, il a voyagé peut-être dans une agence de voyage de 2500, de 3500, tout simplement pour vendre le rêve aux jeunes. Il se doit d'aller sur une moto à l'aéroport, montrer aux jeunes qu'il a pris l'avion. Pourtant, il n'a pas pris l'avion. On continue. Voilà. Après être arrivé à Kribi par avion, le jeune va aller à Kribi, va chercher la chambre la plus moins chère, la chambre de 2500 ou de 1500, où il peut s'en sortir. Et cette chambre, je vous prie, elle est payée par qui? Vous savez, le soi-disant ami qui a décidé de te faire passer du bon temps. Et maintenant, quand il t'invite, il va t'inviter dans l'endroit comme celui-ci. Maison conviviale, où il fait beau vivre. Et là, tu vas entrer dans les champs, tu vas entrer dans des restaurants, tu auras à rencontrer à côtoyer des gens que tu ne rencontres pas habituellement. Et qu'est-ce que tu vas chercher à vendre?
que ça, ce sont tes moyens. Parce que quand tu montres déjà que tu prends l'avion, pourtant tu ne prends pas l'avion, cela signifie qu'en fait, dans ta capacité d'influenceur, toi-même, tu es influencé par l'avion. Et tu te dis, pour jamais au moins, ou pour un grand jamais, tu ne vas jamais, ou bien tu n'es pas capable de prendre un avion. Pourtant, c'est simple. On a créé des avions pour que vous montez dedans. I'm gonna be the one to make you mine.